Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Ville, il est 20h32, heure locale. Et nous sommes en direct sur TV et Radio de Ville, bienvenue dans votre émission, il est minuit. Il est minuit dans l'horloge de Dieu. Et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous et merci en tout cas pour vos prières. Et que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Père, nous te bénissons, nous disons Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Merci pour ta parole qui nous purifie, qui nous guérit. Merci pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Nous voulons te dire merci pour ton sang qui a coulé, Seigneur, il y a 2000 ans pour notre justification. Au nom de Yeshua, nous te prions, Adonai, Dieu d'Israël. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni en tout cas. Merci à tous ceux et toutes celles qui prient pour nous et que le Seigneur se souvienne de vous. Donc ce soir, nous allons partager sur beaucoup de choses, notamment sur l'Europe. Mais bien avant, nous allons écouter deux chants à la gloire du Seigneur et puis un témoignage, le témoignage d'une sœur que le Seigneur a arrachée des griffes du faux lion, hein, donc de l'ennemi. Et elle vient de très loin, donc on va écouter son témoignage. Et j'avais complètement oublié qu'elle devait passer ce soir pour témoigner. Donc on a annoncé le programme sur l'Europe. Donc si l'enseignement sur l'Europe n'est pas apporté ce soir, ce sera certainement demain. Donc voilà, donc je pense que vous allez nous comprendre. C'est un témoignage assez fort, assez poignant. Et puis nous bénissons aussi le Seigneur pour tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Et bien, nous voulons quand même les saluer. Même si vous n'êtes pas d'accord, ben tant pis. Et on n'est pas obligé d'être plébiscité. Et ceux et celles qui disent également, notamment ce monsieur qui dit tout est dit, hein, dans un commentaire. Tout est dit alors que lui-même, il n'a pas dirigé les églises qu'il a gérées correctement. Il a cassé les églises de maison qu'il a dirigées. Donc je crois que s'il continue comme ça, je vais devoir le dénoncer bien comme il faut. Hein, qu'il doit de l'argent, beaucoup d'argent au gouvernement français. Hein, plus d'un million, il se permet de parler. Donc je crois que s'il m'écoute ce soir, là, tu as intérêt plutôt à te faire tout petit et à demander pardon au Seigneur, plutôt que de vouloir sortir ta tête, hein, telle la tête d'un serpent, qui risque d'être bien cogné avec le bâton de la parole. Voilà, donc c'est facile hein, de jouer aux victimes quand on a été un grand Manitou, tout ça là, cassant les églises de maisons qu'on a eu à gérer, tout ça là. Que Dieu soit béni en tout cas. Que Dieu soit béni, vous savez, Dieu nous a donné une bouche pour pouvoir parler, hein, une langue pour pouvoir proclamer sa parole. Et nous n'allons certainement pas nous laisser intimider par ces petits escrocs, ces petits gourous qui ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Voilà, que Dieu soit béni. Alors, nous allons rapidement aller du côté de nos frères et sœurs qui sont à ma droite et qui vont interpréter un chant, deux chants à la gloire du Seigneur avec notre frère Loïc du côté du piano, Pianist of God, Music de vie. Alléluia, alléluia. Donc, Music, mon anglais se perfectionne de plus en plus. On sera bientôt aux US et de nouveau à Brazzaville pour votre information. Et aussi la Côte d'Ivoire, les Antilles bientôt. Voilà, donc merci, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous êtes prêts pour le décollage là, c'est bon? Gloire à Dieu, on y va. Merci Seigneur. Alléluia. Yahweh de mon cœur, Yahweh de
qu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Si tu crains, ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Si tu crains, ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Si tu crains, ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Seigneur, merci. Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia.
Maranatha, 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 Maranatha. Gloire à Yeshua, Seigneur, nous voulons te bénir pour ta fidélité. Ta présence, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton nom, Seigneur, qui est invoqué sur ton peuple. Adonai Elohim El Shaddai. Que ton nom soit béni, Papa. Au nom de Yeshua. Gloire à Jésus. Amen. Donc, vous êtes un groupe hein, que le Seigneur a mis en place. Et vous êtes combien en tout? 6. Donc là, ce soir, vous êtes 6. Ah ben, tout le monde est là. Parfait. Donc, comment c'est arrivé? Comment ça a commencé? Alors, en fait, on n'est pas vraiment un groupe. D'accord. Mm-hmm. On est des frères et sœurs mm-hmm. qui fréquentent la même assemblée, mm-hmm. donc l'assemblée de Créteil. Mm-hmm. Et... Donc chacun en fait avait des chants nouveaux qu'il recevait. D'accord. Et c'est vrai que des fois à la fin des cultes, on se retrouvait autour du piano et chacun partageait en fait les chants nouveaux. D'accord. Et donc on s'est dit, il faut qu'on travaille cela en fait. D'accord. Et là vous avez commencé à travailler avec notamment Loïc. Oui. Et au niveau du piano. Et donc vous avez fait quelques enregistrements déjà, quelques chants qui sont enregistrés ou pas? Oui. Encore. Vous avez donc du coup vous allez sortir à peu près combien de chants? 9, 10 ? À peu près 9, oui. D'accord. Donc, que Dieu soit béni. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire ? Vous comptez mettre ça sur support matériel, sur un CD ou sur YouTube sur, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez un site internet ? Vous avez une page YouTube pour que les frères et sœurs qui sont touchés ce soir, hein, qui aimeraient justement retrouver vos chants que Dieu vous a confiés, qui sont d'ailleurs gratuits, comment font-ils ? Qu'est-ce qu'ils peuvent ? Comment ils peuvent s'y prendre pour retrouver vos chants ? Donc bientôt, en fait, on va mettre une chaîne YouTube disponible. D'accord. Et sur cette chaîne-là, on pourra diffuser gratuitement les chants qu'on a reçus du Seigneur. Mais présentement, vous n'avez pas une page, quelque chose comme ça? C'est en construction. C'est en construction. D'accord, parce que les frères et sœurs sont très touchés, hein, parce que c'est des chants qui sont très, très jolis, très beaux. Et puis surtout, il y a la présence du Seigneur. Donc c'est sûr que vous êtes chrétien, membre d'une même assemblée, et l'Assemblée des Saints de Créteil, et vous aimez le Seigneur et... Ben, le Seigneur vous a mis ensemble, forcément, pour travailler pour sa gloire. Hein. Mm. Donc, vous êtes avant tout chrétien et aussi prédicateur de la parole. Hein. Vous avez des chants à partager. Donc, je voulais ce soir vraiment vous encourager et montrer aussi aux frères et sœurs qu'il y a des jeunes comme vous qui sont ici et là, qui aiment le Seigneur et qui reçoivent des chants et qui les partagent gratuitement. Voilà. Oui. Donc, le mot gratuit, là, c'est, on écrit ça en majuscule, bien comme il faut, hein, en gras. Comme ça, voilà, tout le monde va s'en rappeler. Et qu'est-ce que vous voulez dire d'autre ? Ouais, on est un peu timide. Hein. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui peuvent appeler, hein, pour, parce qu'on a un témoignage aussi à écouter après, qui peuvent appeler pour poser des questions. Hein. Donc on veut encourager les initiatives. Voilà la mission que le Seigneur nous a confiée aussi, encourager les talents que Dieu donne à son peuple. Et pas encourager ceux et celles qui veulent des titres, qui veulent, n'est-ce pas, promouvoir eux-mêmes leurs propres affaires et qui ne sont pas d'accord quand on les fait asseoir. Toujours, voilà. Eh bien, si vous nous le permettez, on aimerait encore élever le Seigneur. Avec joie. Quand il faut élever le Seigneur, on est tous soumis, hein, parce qu'on l'aime. Amen. Donc vous avez encore un chant ? Un chant, oui. Donc, gloire à Dieu. Donc frères et sœurs, ils ont encore un chant. Vous pouvez les appeler pour leur poser des questions parce que je sais que vous êtes nombreux à être touchés par leur chant. Et voilà. Et c'est gratuit. Hein, ce n'est pas, pas du spectacle, ce n'est pas des professionnels comme on le voit ici et là. Ce sont des hommes et des femmes spirituels, amoureux de Yeshua, notre maître. Voilà. Et vous voulez qu'on leur permette aussi de continuer, hein, chanter un chant à la gloire du Seigneur. L'équipe est d'accord. Que Dieu soit béni. Thank you.
Donc vous pouvez les contacter, vous pouvez les appeler ce soir pour leur poser des questions au 01 64 98 90 45. Si vous avez aussi des chants chez vous et vous aimeriez bien les voir pour partager avec eux, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les appeler ce soir pour avoir leur contact. Alléluia, magnifique, quel beau chant et que le Seigneur soit béni. Donc, vous êtes sûr que vous n'avez rien à dire là? Est-ce que ça vous intéresse, Loïc, si on fait une soirée spéciale adoration ce vendredi avec des frères et sœurs qui chantent, qui aiment le Seigneur, qui se sanctifient pour le Seigneur, de n'importe quelle assemblée, même des gens que l'on ne connaît pas, mais qui aiment Jésus, qui le craignent et qui peuvent venir ce vendredi. Ça vous intéresse ce vendredi? Hein? Toute la soirée, hein, soirée spéciale, Jésus, adoration, Jésus, 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 Jésus. Donc vous pouvez chanter tous vos cantiques, hein, chacun aura une plage d'horaire, donc vous chantez, d'autres vont attendre, leur tour va venir aussi, ils vont rentrer, ils vont chanter. Ça vous intéresse tout ça là? Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est bon, c'est intéressant. Ben, parfait, vendredi à quelle heure alors? Donnez une heure. Tous ceux qui nous suivent ce soir, qui sont enfants de Dieu, qui aiment Jésus, hein? Même si vous n'êtes pas dans une assemblée locale, mais si vous aimez Jésus-Christ de Nazareth, que vous le craignez et que vous avez des chants à sa gloire, vous voulez venir les partager avec les gens du monde entier, ben, venez ce vendredi à 20h. Ok, 20h. Donc, alors, l'équipe technique, on va s'organiser pour qu'il y ait à boire et à manger ce soir-là. Et c'est bon, Laurent, c'est parfait. Donc, de l'eau, tout ce qu'il faut. Et les frères et sœurs avec du citron pour leur voix. Et ils vont arriver. Vous allez nous partager la parole, les chants que Dieu vous a donnés gratuitement. Voilà, TV de vie, c'est la télé de Yeshua.
Gloire à Dieu. Donc, nous avons quelqu'un en ligne ce soir qui va peut-être vous demander quelques précisions ou des conseils. Ou, voilà. Allô, bonsoir. Allô. L'équipe technique va nous aider. On n'entend rien du tout. Allô. Oui, bonsoir, ma soeur. Allô, bonsoir. Je vous appelle de l'Italie. De l'Italie, wow, pronto. Oui. Si vous permettez, j'aimerais partager un des chants que le Seigneur m'a donné il y a quelque temps. Est-ce que c'est possible de le partager ce vendredi parce qu'il y aura une émission dédiée à cela? Ah d'accord, il n'y a pas de problème. Ah ben ne raccrochez pas, on va prendre vos coordonnées, comme ça on va carrément vous appeler ce vendredi et puis vous allez pouvoir le partager parce que ce sera une soirée spéciale, adoration, chant, tout ça. Ah mais c'est pas un problème, je l'appelle vendredi, d'accord? Ok. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Ah, c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est la même personne. Ok, c'est parfait, donc on fait comme ça. Vendredi, donc 20h, ça commence. C'est pas trop tard pour la jeunesse, ça va 20h30. 20h, c'est bon pour vous c'est... Ok, 20h, c'est parfait. Ok. Donc l'invitation est lancée à tout le monde, hein, aux frères et sœurs, même de Sarcelles, de Morangis, de partout, tous les enfants de Dieu. Voilà. Voilà, donc... Venez partager vos chants et, à la gloire de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Donc, on fait comme ça. Merci. Et donc, nous allons, mes amis, faire une petite pause. On va revenir dans quelques secondes pour écouter le témoignage de notre sœur que voici. Bonsoir. Bonsoir. Donc, bonsoir. Nico, comment tu t'appelles déjà? Esther. Esther. Mmh. Voilà. Donc, on va écouter le témoignage de notre sœur Esther. Mmh. Un témoignage très, très fort. Dans quelques secondes, n'éteignez pas vos ordinateurs. Merci.